Le droit à la paresse de Paul Lafargue. Chapitre 1. Un dogme désastreux. Paraissons en toute chose, hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant. Lessing. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail. La passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu. Hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu, des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur sang des écuries de Rothschild, servi par une valetaille de Biman, à la lourde brute des fermes normandes qui labourent la terre, charriotent le fumier, engrangent la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail. Et regardez ensuite nos misérables servants de machines. Quand, dans notre Europe civilisée, on veut retrouver une trace de beauté native de l'homme, il faut l'aller chercher chez les nations où les préjugés économiques n'ont pas encore déraciné la haine du travail. L'Espagne qui, hélas, dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes. Mais l'artiste se réjouit en admirant le hardi andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d'acier, et le cœur de l'homme tressaille en entendant le mendiant superbement drapé dans sa capa trouée, traité d'amigo des ducs d'Osuna. Pour l'Espagnol, chez qui l'animal primitif n'est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages. Les Grecs de la grande époque n'avaient eux aussi que du mépris pour le travail. Aux esclaves seuls, il était permis de travailler. L'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. C'était aussi le temps où l'on marchait et respirait dans un peuple d'Aristote, de Phidias et d'Aristophane. C'était le temps où une poignée de braves écrasait à Marathon les hordes de l'Asie qu'Alexandre allait bientôt conquérir. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l'homme libre. Les poètes chantaient la paresse, ce présent des dieux. Homelibe, Deus nobis hoc otia fecit. Homelibe, un dieu nous a donné cette oisiveté. Virgile bucolique. Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance des lys des champs. Il ne travaillait ni ne fit, et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le Dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après 6 jours de travail, il se reposa pour l'éternité. Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique? Les Auvergnats, les Écossais. Ces Auvergnats des îles britanniques, les Galégos, ces Auvergnats de l'Espagne, les Poméraniens, ces Auvergnats de l'Allemagne, les Chinois, ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles sont les classes qui aiment le travail pour le travail? Les paysans propriétaires, les petits bourgeois, les uns courbés sur leur terre, les autres acoquinés dans leur boutique, se remuent comme la taupe dans sa galerie souterraine, et jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature. Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Chapitre 2. Bénédiction du travail. En 1770, parut à Londres un écrit anonyme intitulé An Essay on Trade and Commerce. Il fit à l'époque un certain bruit.
Son auteur, grand philanthrope, s'indignait de ce que la plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mis dans la tête l'idée fixe qu'en qualité d'anglais, tous les individus qui la composent ont, par droit de naissance, le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats dont elle stimule la bravoure, mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un État commercial comme le nôtre, où peut-être les 7/8 de la population n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler 6 jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en 4. Ainsi, près d'un siècle avant Guizot, on prêchait ouvertement à Londres le travail comme un frein aux nobles passions de l'homme. « Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices », écrivait d'Ostérode le 5 mai 1807 Napoléon. « Je suis l'autorité et je serai disposé à donner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail. » Pour extirper la paresse et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de l'Essai on Trade proposait d'incarcérer les pauvres dans des maisons idéales du travail, ideal workhouses, qui deviendraient des maisons de terreur où l'on ferait travailler 14 heures par jour, de telle sorte que, le temps des repas soustrait, il resterait 12 heures de travail pleine et entière. 12 heures de travail par jour, voilà l'idéal des philanthropes et des moralistes du XVIIIe siècle, que nous avons dépassé ce nec plus ultra. Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant 12 heures, 12 et 14 heures, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Et dire que les fils des héros de la terreur se sont laissés dégrader par la religion du travail, au point d'accepter après 1848, comme une conquête révolutionnaire, la loi qui limitait à 12 heures le travail dans les fabriques, ils proclamaient comme un principe révolutionnaire le droit au travail. Honte au prolétariat français. Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste à un grec des temps héroïques pour concevoir un tel avilissement. Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures de la faim se sont abattues sur le prolétariat, plus nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui qui les a appelées. Ce travail qu'en juin 1848, les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l'ont imposé à leurs familles. Ils ont livré aux barons de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leurs foyers domestiques. De leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes. Les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures tendre l'échine et épuiser leurs nerfs. De leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. Honte aux prolétaires! Où sont ces commères dont parlent nos fablieux et nos vieux contes, hardis aux propos, franches de la gueule, amants de la dive bouteille? Où sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleur les petits seins des vigoureux? Nous avons aujourd'hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux membres alanguis. Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l'on cassa leur coquille. Et les enfants, 12 heures de travail, ô misère! Mais tous les Jules Simon de l'Académie des sciences morales et politiques, tous les Germini de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un vice plus aboutissant pour l'intelligence des enfants, plus corrupteur de leurs instincts, plus destructeur de leur organisme, que le travail dans l'atmosphère viciée de l'atelier capitaliste. Notre époque est, dit-on, le siècle du travail. Il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption. Et cependant, les philosophes, les économistes bourgeois, depuis le péniblement confus Auguste Comte jusqu'au ridiculement clair le roi Beaulieu, les gens de lettres bourgeois, depuis le charlatanesquement romantique Victor Hugo jusqu'au naïvement grotesque Paul de Kock, tous ont entonné des chants nauséabonds en l'honneur du dieu progrès, le fils aîné du travail. À les entendre, le bonheur allait régner sur la terre. Déjà, on sentait la venue. Ils allaient dans les siècles passés fouiller la poussière et la misère féodale pour rapporter des sombres repoussoirs aux délices des temps présents. Nous ont-ils fatigués, ces répus, ces satisfaits? Naguère. Naguère encore, membre de la domesticité des grands seigneurs, aujourd'hui valet de plume de la bourgeoisie grassement rentée. Nous ont-ils fatigués avec le paysan du rhétoricien, la bruyère? Eh bien, voici le brillant tableau
des jouissances prolétariennes en l'an de progrès capitaliste 1840. Peint par un des leurs, par le docteur Villermé, membre de l'Institut, le même qui, en 1848, fit partie de cette société de savants. Thiers, Cousin, Passy, Blanqui, l'académicien, en était. Qui propagea dans les masses les sottises de l'économie et de la morale bourgeoise. C'est de l'Alsace manufacturière que parle le docteur Villermé, de l'Alsace des Kestner, des Dollfuss, ces fleurs de la philanthropie et du républicanisme industriel. Mais avant que le docteur ne dresse devant nous le tableau des misères prolétariennes, écoutons un manufacturier alsacien, M. T.H. Mieg, de la maison Dollfuss, Mieg et compagnie, dépeignant la situation de l'artisan de l'ancienne industrie. À Mulhouse, il y a 50 ans, en 1813, alors que la moderne industrie mécanique naissait, les ouvriers étaient tous enfants du sol, habitant la ville et les villages environnants et possédant presque tous une maison et souvent un petit champ. C'était l'âge d'or du travailleur, mais alors l'industrie alsacienne n'inondait pas le monde de ses cotonnades et n'emmillonnait pas les Dollfuss et ses Koechlin. Mais 25 ans après, quand Villermé visita l'Alsace, le minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait conquis le pays. Dans sa boulimie de travail humain, il avait arraché des ouvriers de leur foyer pour mieux les tordre et pour mieux exprimer le travail qu'ils contenaient. C'était par milliers que les ouvriers accouraient au sifflement de la machine. Un grand nombre, dit Villermé. 5 000 sur 17 000 étaient contraints par la cherté des loyers à se loger dans les villages voisins. Quelques-uns habitaient à 2 lieues et quart de la manufacture où ils travaillaient. À Mulhouse, à Dornach, le travail commençait à 5 heures du matin et finissait à 5 heures du soir, été comme hiver. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue et qui, à défaut de parapluie, portent renversées sur la tête lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leur tablier ou jupon de dessus pour se préserver la figure et le cou, et un nombre plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non moins raves, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers qui tombe sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont même pas au bras, comme les femmes dont on vient de parler, un panier où sont les provisions de la journée. Mais ils portent à la main, ou cachent sous leur veste, ou comme ils peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de la rentrée à la maison. Ainsi, à la fatigue d'une journée démesurément longue, puisqu'elle a au moins 15 heures, vient se joindre pour ces malheureux celle des allées et venues, si fréquentes, si pénibles. Il résulte que le soir, ils arrivent chez eux, accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain, ils sortent avant d'être complètement reposés pour se trouver à l'atelier à l'heure de l'ouverture. Voici maintenant les bouges où s'entassent ceux qui logeaient en ville. J'ai vu à Mulhouse, à Dornach, et dans des maisons voisines de ces misérables logements où 2 familles couchaient chacune dans un coin sur la paille jetée sur le carreau et retenue par 2 planches. Cette misère dans laquelle vivent les ouvriers de l'industrie du coton dans le département du Haut-Rhin est si profonde qu'elle produit ce triste résultat que, tandis que dans les familles des fabricants, négociants, drapiers, directeurs d'usine, la moitié des enfants atteint la 21e année. Cette même moitié cesse d'exister avant 2 ans accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers de filature de coton. Parlons du travail de l'atelier, Villermé ajoute. Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans. C'est ce long supplice de tous les jours qui mine principalement les ouvriers dans les filatures de coton. Et, à propos de la durée du travail, Villermé observait que les forçats des bagnes ne travaillaient que 10 heures, les esclaves des Antilles 9 heures en moyenne, tandis qu'il existait dans la France, qui avait fait la révolution de 89, qui avait proclamé les pompeux droits de l'homme, des manufactures où la journée était de 16 heures, sur lesquelles on accordait aux ouvriers 1 heure et demie pour les repas. Ô misérable avortement des principes révolutionnaires de la bourgeoisie! Ô lugubre présent de son dieu progrès! Les philanthropes acclament bienfaiteurs de l'humanité, ceux qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres. Mieux vaudrait semer la peste, empoisonner les sources que d'ériger une fabrique au milieu d'une population rustique. Introduisez le travail de fabrique et adieu joie, santé, liberté. Adieu tout ce qui fait la belle vie et digne d'être vécue. Et les économistes s'en vont, répétant aux ouvriers, travaillez pour augmenter la fortune sociale.
Et cependant, un économiste, des studios de Tracy, leur répond « Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise. Les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. » Et son disciple Cherbuliez de continuer. Les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire. Mais assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre « Travaillez, travaillez toujours pour créer votre bien-être. » Et au nom de la mansuétude chrétienne, un prêtre de l'église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie « Travaillez, travaillez nuit et jour. » En travaillant, vous faites croître votre misère, et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. L'imposition légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Travaillez, travaillez prolétaires. Pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez pour que, devenant plus pauvres, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérables. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme aux vices du travail. Ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur misère présente, au lieu de courir au grenier à blé et de crier « Nous avons faim et nous voulons manger ». Vrai, nous n'avons pas un rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, c'est nous cependant qui avons moissonné le blé et vendangé le raisin. Au lieu d'assiéger les magasins de M. Bonnet et de Jugurieux, l'inventeur des couvents industriels, et de clamer « M. Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses. Elles grelottent sous leurs cotonnades rapetassées, à chagriner l'œil d'un juif, et cependant, ce sont elles qui ont filé et tissé les robes de soie des cocottes de toute la chrétienté. » Les pauvresses travaillant 13 heures par jour n'avaient pas le temps de songer à la toilette. Maintenant, elles chôment et peuvent faire du froufrou avec des soieries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont perdu leurs dents de lait, elles se sont dévouées à votre fortune et ont vécu dans l'abstinence. Maintenant, elles ont des loisirs et veulent jouir un peu des fruits de leur travail. Allons, Monsieur Bonnet, livrez vos soieries. Monsieur Armel fournira ses mousselines et Monsieur Pouillet-Cartier ses calicots. Monsieur Pinet ses bottines pour leurs chers petits pieds, froids et humides. Vêtues de pied en cap et fringantes, elles vous feront plaisir à contempler. Allons, pas de tergiversation. Vous êtes l'ami de l'humanité, n'est-ce pas? Et chrétien par-dessus le marché. Mettez à la disposition de vos ouvrières la fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair de leur chair. Vous êtes amis du commerce. Facilitez la circulation des marchandises. Voici des consommateurs tout trouvés. Ouvrez-leur des crédits illimités. Vous êtes bien obligés d'en faire à des négociants que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Qui ne vous ont rien donné, même pas un verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront comme elles le pourront, si au jour de l'échéance elles gambétisent et laissent protester leur signature, vous les mettrez en faillite. Et si elles n'ont rien à saisir, vous exigerez qu'elles vous paient en prière. Elles vous enverront au paradis, mieux que vos sacs noirs au gré de... au nez... Elles vous enverront au paradis, mieux que vos sacs noirs au nez gorgé de tabac. Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, crevant de faim, s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier. Avec des figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux, ils assaillent les fabricants. Bon, Monsieur Chagot, d'où Monsieur Schindler, donnez-nous du travail, ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente. Et ces misérables qui ont à peine la force de se tenir debout vendent 12 et 14 heures de travail, deux fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche, et des philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché. Si les crises industrielles suivent les périodes de surtravail aussi fatalement que la nuit et le jour, traînant après elles le chômage forcé et la misère sans issue, elles amènent aussi la banqueroute inexorable. Tant que le fabricant a du crédit, il lâche la bride à la rage du travail. Il emprunte et emprunte encore pour fournir la matière première aux ouvriers. Il fait produire sans réfléchir que le marché s'engorge et que, si ses marchandises n'arrivent pas à la vente, ses billets viendront à l'échéance. Acculé, il va implorer le juif, il se jette à ses pieds, lui offre son sang, son honneur.
Un petit peu d'or ferait mieux mon affaire, répond le Rothschild. Vous avez 20 000 paires de bas en magasin. Ils valent 20 sous. Je les prends à 4 sous. Les bas obtenus, le juif les vend à 6 et 8 sous et empoche les frétillantes pièces de 100 sous qui ne doivent rien à personne. Mais le fabricant a reculé pour mieux sauter. Enfin, la débâcle arrive et les magasins dégorgent. On jette alors tant de marchandises par la fenêtre qu'on ne sait comment elles sont entrées par la porte. C'est par centaines de millions que se chiffre la valeur des marchandises détruites. Au siècle dernier, on les brûlait ou on les jetait à l'eau. Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les fabricants parcourent le monde en quête de débouchés pour les marchandises qui s'entassent. Ils forcent leur gouvernement à s'annexer à des Congos, à s'emparer des Tonkins, à démolir à coups de canon les murailles de la Chine pour y écouler leur cotonnade. Au siècle dernier, c'était un duel à mort entre la France et l'Angleterre, à qui aurait le privilège exclusif de vendre en Amérique et aux Indes. Des milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont rougi de leur sang les mers pendant les guerres coloniales des XIe, XVIe et XVIIIe siècles. Les capitaux abondent comme les marchandises. Les financiers ne savent plus où les placer. Ils vont alors chez des nations heureuses qui les ardent au soleil en fumant des cigarettes, poser des chemins de fer, ériger des fabriques et importer la malédiction du travail. Et cette exportation de capitaux français se termine un beau matin par des complications diplomatiques. En Égypte, la France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient sur le point de se prendre aux cheveux pour savoir quel usurier serait payé les premiers par des guerres du Mexique où l'on envoie les soldats français faire le métier d'huissier pour recouvrir de mauvaises dettes. Ces misères individuelles et sociales, pour grandes et innombrables qu'elles soient, pour éternelles qu'elles paraissent, s'évanouiront comme les hyènes et les chacals à l'approche du lion, quand le prolétariat dira « Je le veux ». Mais pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre-penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il programme les droits de la paresse, mille et mille fois plus nobles et plus sacrés que les phtistiques droits de l'homme, concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise, qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Jusqu'ici, ma tâche a été facile. Je n'avais qu'à décrire des mots bien connus de nous tous, hélas. Mais convaincre le prolétariat que la parole qu'on lui a inoculée est perverse, que le travail effréné auquel il s'est livré dès le commencement du siècle est le plus terrible fléau qui ait jamais frappé l'humanité. Que le travail ne deviendra un condiment de plaisir, de la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme humain, une passion utile à l'organisme social que lorsqu'il sera sagement réglementé et limité à un maximum de 3 heures par jour, est une tâche ardue au-dessus de mes forces. Seuls les physiologistes, des hygiénistes, des économistes communistes pourraient l'entreprendre. Dans les pages qui vont suivre, je me bornerai à démontrer qu'étant donné les moyens de production modernes et leur puissance reproductive illimitée, il faut mater la passion extravagante des ouvriers pour le travail et les obliger à consommer les marchandises qu'ils produisent. Ce qui suit la surproduction. Un poète grec, du temps de Cicéron, Antipatros, chantait ainsi l'invention du moulin à eau pour la mouture du grain. Il allait émanciper les femmes esclaves et ramener l'âge d'or. Épargner le bras qui fait tourner la meule, ô meunière, et dormez paisiblement. Que le coq vous avertisse en vain qu'il fait jour. Dao a imposé aux nymphes le travail des esclaves, et les voilà qui sautillent allègrement sur la roue, et voilà que l'essieu ébranlé roule avec ses rais, faisant tourner la pesante pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères, et oisifs, réjouissons-nous des dons que la déesse accorde. Hélas, les loisirs que le poète païen annonçait ne sont pas venus. La passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d'asservissement des hommes libres. Sa productivité les appauvrit. Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que 5 mailles à la minute. Certains métiers circulaires à tricoter en font 30 000 dans le même temps. Chaque minute à la machine équivaut donc à 100 heures de travail de l'ouvrière. Ou bien chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière 10 jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-nous? À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine.
Oh, concurrence absurde et meurtrière! Pour que la concurrence de l'homme et de la machine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations. Ils ont supprimé les jours fériés parce que les producteurs d'alors ne travaillaient que 5 jours sur 7. Croient-ils donc, ainsi que le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche? Allons donc. Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler, pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant dieu de la fainéantise. L'amour aux Angleterres, encajoté dans le protestantisme, se nommait alors la joyeuse Angleterre, Merry England. Rabelais, Kevdo, Cervantes, les auteurs inconnus des romans picaresques, nous font venir l'eau à la bouche avec leur peinture de ces monumentales ripailles, dont on se régalait alors entre deux batailles et deux dévastations, et dans lesquelles tout allait par escuelles. Jordaens et l'école flamande les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. Sublime estomac gargantuesque, qu'êtes-vous devenu? Sublime cerveau qui encercliez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenu? Nous sommes bien amoindris et bien dégénérés. La vache enragée, la pomme de terre, le vin fuchiné et le schnapps prussien, savamment combinés avec le travail forcé, ont débilité nos corps et rapetissé nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité. C'est alors que les économistes nous prêchent la théorie malthusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail. Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens. Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s'est laissée endoctriner. Parce que, avec son impétuosité native, elle s'est précipitée en aveugle dans le travail et l'abstinence. La classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l'improductivité et à la surconsommation. Mais, si le surtravail de l'ouvrier meurtrit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en douleur pour le bourgeois. L'abstinence à laquelle se condamne la classe productive oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des produits qu'elle manufacture désordonnément. Au début de la production capitaliste, il y a un ou deux siècles de cela, le bourgeois était un homme rangé de mœurs raisonnables et paisibles. Il se contentait de sa femme, ou à peu près. Il ne buvait qu'à sa foi, qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui, il n'est fils de parvenu qui ne se croit tenu de développer la prostitution et de mercurialiser son corps pour donner un but au labeur que s'imposent les ouvriers des mines de mercure. Il n'est bourgeois qui ne s'empiffre de chapons truffés et de laffites naviguées pour encourager les éleveurs de la Flèche et les vignerons du Bordelais. À ce métier, l'organisme se délabre rapidement. Les cheveux tombent, les dents se déchaussent, le tronc se déforme, le ventre s'entripaille, la respiration s'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, les articulations s'ankylosent, les phalanges se nouent. D'autres, trop malins pour supporter les fatigues de la débauche, mais dotés de la bosse du prud'homisme, dessèchent leur cervelle comme les garniers de l'économie politique, les acolas de la philosophie juridique, à élucubrer de gros livres soporifiques pour occuper des loisirs des compositeurs et des imprimeurs. Les femmes du monde vivent une vie de martyr. Pour essayer de faire valoir les toilettes féeriques que les couturières se tuent à bâtir, du soir au matin, elles font la navette d'une robe dans une autre. Pendant des heures, elles livrent leur tête creuse aux artistes capillaires qui, à tout prix, veulent assouvir leur passion pour l'échafaudage de faux chignons. Sanglées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à faire rougir un sapeur, elles tournoient des nuits entières dans leurs bals de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre du monde, pour le pauvre monde. Saintes âmes. Pour remplir sa double fonction sociale de non-producteur et de surconsommateur, le bourgeois dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a 2 siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d'hommes afin de se procurer des aides. Voici quelques chiffres qui prouvent combien colossale est cette déperdition de forces productives. D'après le recensement de 1861,
La population de l'Angleterre et du Pays de Galles comprenait 20 066 224 personnes, dont 9 776 259 du sexe masculin et 10 289 965 du sexe féminin. Si l'on en déduit ce qui est trop vieux ou trop jeune pour travailler, les femmes, les adolescents et les enfants improductifs, puis les professions idéologiques telles que gouvernement, police, clergé, magistrature, armée, savants, artistes, etc. Ensuite, les gens exclusivement occupés à manger le travail d'autrui sous forme de rente foncière, d'intérêts, de dividendes, etc. Et enfin, les pauvres, les vagabonds, les criminels, etc. Il reste en gros 8 millions d'individus, des deux sexes et de tout âge, y compris les capitalistes fonctionnant dans la production, le commerce, la finance, etc. Sur ces 8 millions, on compte travailleurs agricoles, y compris les bergers, les valets et les filles de ferme habitant chez le fermier, 1 098 261 ouvriers des fabriques de coton, de laine, de worsted, de lin, de chanvre, de soie, de dentelle et ceux des métiers à bras, 642 607 ouvriers des mines de charbon et de métal, 565 835 ouvriers employés dans les usines métallurgiques, aux fourneaux, laminoirs, etc., et dans les manufactures de métal de toute espèce, 396 998. Classe domestique, 1 208 648. Si nous additionnons les travailleurs des fabriques textiles et ceux des mines de charbon et de métal, nous obtenons le chiffre de 1 208 442. Si nous additionnons les premiers et le personnel des usines et de toutes les manufactures de métal, nous avons un total de 1 039 605 personnes, c'est-à-dire chaque fois un nombre plus petit que celui des esclaves domestiques modernes. Voilà le magnifique résultat de l'exploitation capitaliste des machines. À toute cette classe domestique, dont la grandeur indique le degré atteint par la civilisation capitaliste, il faut ajouter la classe nombreuse des malheureux voués exclusivement à la satisfaction des goûts dispendieux et futiles des classes riches, tailleurs de diamants, dentelières, brodeuses, roulures de lit de luxe, couturières de luxe, décorateurs des maisons de plaisance, etc. Une fois accroupis dans la paresse absolue et démoralisés par la jouissance forcée, la bourgeoisie, malgré le mal qu'elle se veut, s'accommoda de son nouveau genre de vie. Avec horreur, elle envisagea tout changement, la vue des misérables conditions d'existence acceptées avec résignation par la classe ouvrière et celle de la dégradation organique engendrée par la passion dépravée du travail augmentait encore sa répulsion pour toute imposition de travail et pour toute restriction des jouissances. C'est précisément alors que, sans tenir compte de la démoralisation que la bourgeoisie s'était imposée comme un devoir social, les prolétaires se mirent en tête d'infliger le travail aux capitalistes. Les naïfs, ils prirent au sérieux les théories des économistes et des moralistes sur le travail et se sanglèrent les reins pour en infliger la pratique aux capitalistes. Le prolétariat arbora la devise « Qui ne travaille pas, ne mange pas », Lyon, en 1831. Se leva pour du plomb ou du travail, les fédérés, de mars 1871, déclarèrent leur soulèvement la révolution du travail. À ces déchaînements de fureur barbare, destructifs de toute jouissance et de toute paresse bourgeoise, les capitalistes ne pouvaient répondre que par la répression féroce, mais ils savaient que, s'ils ont pu comprimer ces explosions révolutionnaires, ils n'ont pas noyé dans le sang de leur massacre gigantesque l'absurde idée du prolétariat de vouloir infliger le travail aux classes oisives et repues. Et c'est pour détourner ce malheur qu'ils s'entourèrent de prétoriens, de policiers, de magistrats, de geôliers, entretenus dans une improductivité laborieuse. On ne peut plus conserver d'illusions sur le caractère des armées modernes. Elles ne sont maintenues en permanence que pour comprimer l'ennemi intérieur. C'est ainsi que les forts de Paris et de Lyon n'ont pas été construits pour défendre la ville contre l'étranger, mais pour l'écraser en cas de révolte. Et s'il fallait un exemple sans réplique, citons l'armée de la Belgique, de ce pays de cocagne du capitalisme. Sa neutralité est garantie par les puissances européennes. Et cependant, son armée est une des plus fortes proportionnellement à la population. Les glorieux champs de bataille de la brave armée belge sont les plaines du Borinage et de Charleroi.
C'est dans le sang des mineurs et des ouvriers désarmés que les officiers belges trempent leurs épées et ramassent leurs épaulettes. Les nations européennes n'ont pas des armées nationales, mais des armées mercenaires. Elles protègent les capitalistes contre la fureur populaire qui voudrait les condamner à 10 heures de mine ou de filature. Donc, en se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé, outre mesure, le ventre de la bourgeoisie condamnée à la surconsommation. Pour être soulagée dans son pénible travail, la bourgeoisie a retiré de la classe ouvrière une masse d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait consacrée à la production utile, et l'a condamnée à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouches inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme du travail, produisent comme des maniaques, sans vouloir les consommer et sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer. En présence de cette double folie des travailleurs, de se tuer de surtravail et de végéter dans l'abstinence, le grand problème de la production capitaliste n'est plus de forcer des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. Puisque les ouvriers européens, grelottant de froid et de faim, refusent de porter les étoffes qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, les pauvres fabricants ainsi que les dératés doivent courir aux antipodes chercher qui les portera et qui les boira. Ce sont des centaines de millions et de milliards que l'Europe exporte tous les ans, aux quatre coins du monde, à des peuplades qui n'en ont rien à faire. Mais les continents explorés ne sont plus assez vastes. Il faut des pays vierges. Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac saharien, du chemin de fer du Soudan. Avec anxiété, ils suivent les progrès des Livingstone, des Stanley, des Duchaillu, des De Brazin. Bouche béante, ils écoutent les histoires mirobolantes de ces courageux voyageurs. Que de merveilles inconnues renferme le continent noir. Des champs sont plantés de dents d'éléphants, des fleuves d'huile de coco charrient des paillettes d'or, des millions de culs noirs, nus comme la face du Dufort ou du Gérard. Du Dufort ou de Gérardin, attendent les cotonnades pour apprendre la décence, des bouteilles de schnaps et des bibles pour connaître les vertus de la civilisation. Mais tout est impuissant, bourgeois qui s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la classe productive, nations étrangères et barbares que l'on engorge de marchandises européennes, rien. Rien ne peut arriver à écouler les montagnes de produits qui s'entassent plus hautes et plus énormes que les pyramides d'Égypte. La productivité des ouvriers européens défie toute consommation, tout gaspillage. Les fabricants affolés ne savent plus où donner de la tête. Ils ne peuvent plus trouver la matière première pour satisfaire la passion désordonnée, dépravée de leurs ouvriers pour le travail. Dans nos départements laignés, on effiloche des chiffons souillés et à demi pourris, et on en fait des draps dits de Renaissance, qui durent ce que durent les promesses électorales. À Lyon, au lieu de laisser à la fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse naturelle, on la surcharge de sels minéraux, qui, en lui ajoutant du poids, la rendent friable et de peu d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Notre époque sera appelée l'âge de la falsification. Comme les premières époques de l'humanité ont reçu les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité, la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. Ces falsifications, qui ont pour unique mobile un sentiment humanitaire, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, si elles ont une source intarissable de gaspillage du travail humain, prouvent la philanthropique ingéniosité des bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers qui, pour assouvir leur vice du travail, obligent les industriels à étouffer les cris de leur conscience et à violer les mêmes lois de l'honnêteté commerciale. Et cependant, en dépit de la surproduction de marchandises, en dépit des falsifications industrielles, les ouvriers encombrent le marché innombrablement implorant « du travail, du travail ». Leur surabondance devrait les obliger à réfréner leur passion. Au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une chance de travail se présente, ils se ruent dessus. Alors c'est 12, 14 heures qu'ils réclament pour en avoir leur sou. Et le lendemain, les voilà de nouveau rejetés sur le pavé, sans plus rien pour alimenter leur vice. Tous les ans, dans toutes les industries, les chômages reviennent avec la régularité des saisons. Au surtravail meurtrier pour l'organisme succède le repos absolu, pendant 2 et 4 mois, et plus de travail, plus de pitance.
Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le cœur des ouvriers, puisque ses exigences étouffent tous les autres instincts de la nature, puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en 6 mois le travail de toute une année? Pourquoi ne pas le distribuer uniformément sur les 12 mois et forcer tout ouvrier à se contenter de 6 ou de 5 heures par jour pendant l'année, au lieu de prendre des indigestions de 12 heures pendant 6 mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain de la bouche. Alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. Abêtis par leurs vices, les ouvriers n'ont pu s'élever à l'intelligence de ce fait que, pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau sur un navire en détresse. Cependant, les industriels, au nom de l'exploitation capitaliste, ont depuis longtemps demandé une limitation légale de la journée du travail. Devant la commission de 1860 sur l'enseignement professionnel, un des plus grands manufacturiers de l'Alsace, M. Burckhardt de Guebwiller, déclarait que la journée de 12 heures était excessive et devait être ramenée à 11 heures, et l'on devait suspendre le travail à 2 heures le samedi. Je puis conseiller l'adoption de cette mesure, quoiqu'elle paraisse onéreuse à première vue. Nous l'avons expérimenté dans nos établissements industriels depuis 4 ans et nous nous en trouvons bien, et la production moyenne, loin d'avoir diminué, a augmenté. Dans son étude sur les machines, M. F. Passy cite la lettre suivante d'un grand industriel belge, M. Otaver. Nos machines, quoique les mêmes que celles des filatures anglaises, ne produisent pas ce qu'elles devraient produire et ce que produiraient ces mêmes machines en Angleterre. Quoique les filatures travaillent 2 heures de moins par jour, nous travaillons tous 2 grandes heures de trop. J'ai la conviction que si l'on ne travaillait que 11 heures au lieu de 13, nous aurions la même production et produirions par conséquent plus économiquement. D'un autre côté, M. Leroy Beaulieu affirme que c'est une observation d'un grand manufacturier belge que les semaines où tombe un jour férié n'apportent pas une production inférieure à celle des semaines ordinaires. Ce que le peuple, pipé en sa simplesse par les moralistes, n'a jamais osé, un gouvernement aristocratique l'a osé. Méprisant les hautes considérations morales et industrielles des économistes, qui, comme les oiseaux de mauvais augure, croassaient que diminuer d'une heure de travail les fabriques, c'était décréter la ruine de l'industrie anglaise. Le gouvernement de l'Angleterre a défendu par une loi, strictement observée, de travailler plus de 10 heures par jour, et après, comme avant, l'Angleterre demeure la première nation industrielle au monde. La grande expérience anglaise est là. L'expérience de quelques capitalistes intelligents est là. Elle démontre irréfutablement que, pour puissancer la productivité humaine, il faut réduire les heures de travail et multiplier les jours de paye et de fête, et le peuple français n'est pas convaincu. Mais si une misérable réduction de 2 heures a augmenté en 10 ans de près d'un tiers la production anglaise, quelle marche vertigineuse imprimera à la production française une réduction légale de la journée de travail à 3 heures? Les ouvriers ne peuvent-ils donc prendre. Les ouvriers ne peuvent-ils donc comprendre qu'en se surmenant de travail, ils épuisent leurs forces et celles de leur progéniture, que usés, ils arrivent avant l'âge à être incapables de tout travail, qu'absorbés, abrutis par un seul vice, ils ne sont plus des hommes mais des tronçons d'hommes, qu'ils tuent en eux toutes les belles facultés pour ne laisser debout et luxuriante que la folie furibonde du travail. Ah, comme les perroquets d'Arcadie, ils répètent la leçon des économistes. Travaillons, travaillons pour accroître la richesse nationale. Oh, idiot! C'est parce que vous travaillez trop que l'outillage industriel se développe lentement. Cessez de braire et écoutez un économiste, il n'est pas un aigle. Ce n'est que M. L. Raybaud, que nous avons eu le bonheur de perdre il y a quelques mois. C'est en général sur les conditions de la main-d'œuvre que se règle la révolution dans les méthodes du travail. Tant que la main-d'œuvre fournit ses services à bas prix, on la prodigue. On cherche à l'épargner quand ses services deviennent plus coûteux. Pour forcer les capitalistes à perfectionner leurs machines de bois et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures de travail, des machines de chair et d'os. Les preuves à l'appui, c'est par centaines qu'on peut les fournir. Dans la filature, le métier renvideur, self-acting mule, fut inventé et appliqué à Manchester, parce que les fileurs se refusaient à travailler aussi longtemps qu'auparavant. En Amérique, la machine envahit toutes les branches de la production agricole, depuis la fabrication du beurre jusqu'au sarclage des blés. Pourquoi? Parce que l'Américain, libre et paresseux, aimerait mieux 1 000 morts que la vie bovine du paysan français. Le labourage, si pénible en notre glorieuse France, si riche en courbatures, est dans l'Ouest américain un agréable passe-temps au grand air que l'on prend assis en fumant nonchalamment sa pipe.
Chapitre 4. Un nouvel air, chanson nouvelle. Si, en diminuant les heures de travail, on conquiert à la production sociale de nouvelles forces mécaniques, en obligeant les ouvriers à consommer leurs produits, on conquérera une immense armée de forces de travail. La bourgeoisie, déchargée alors de sa tâche de consommateur universel, s'empressera de licencier la cohue de soldats, de magistrats, de figaristes, de proxénètes, etc., qu'elle a retiré du travail utile pour l'aider à consommer et à gaspiller. C'est alors que le marché du travail sera débordant. C'est alors qu'il faudra une loi de fer pour mettre l'interdit sur le travail. Il sera impossible de trouver de la besogne pour cette nuée de scie, de vent, improductif, plus nombreux que les poux des bois. Et après eux, il faudra songer à tous ceux qui pourvoyaient à leurs besoins et goûts futiles et dispendieux. Quand il n'y aura plus de laquais et de généraux à galonner, plus de prostituées libres et mariées à couvrir de dentelles, plus de canons à forer, plus de palais à bâtir, il faudra, par des lois sévères, imposer aux ouvrières et ouvriers, en passementerie, en dentelle, en fer, en bâtiment, du canotage hygiénique et des services chorégraphiques pour le rétablissement de leur santé et le perfectionnement de la race. Du moment que les produits européens consommés sur place ne seront pas transportés au diable, il faudra bien que les marins, les hommes d'équipe, les camionneurs s'assoient et apprennent à se tourner les pouces. Les bienheureux Polynésiens pourront alors se livrer à l'amour libre, sans craindre les coups de pied de la Vénus civilisée et les sermons de la morale européenne. Il y a plus. Afin de trouver du travail pour toutes les non-valeurs de la société actuelle, afin de laisser l'outillage industriel se développer indéfiniment, la classe ouvrière devra, comme la bourgeoisie, violenter ses goûts abstinents et développer indéfiniment ses capacités consommatrices. Au lieu de manger par jour une ou deux onces de viande coriace, quand elle en mange, elle mangera de joyeux beefsteaks d'une ou deux livres. Au lieu de boire modérément du mauvais vin, plus catholique que le pape, elle boira à grande et profonde rasade du Bordeaux, du Bourgogne, sans baptême industriel, et laissera l'eau aux bêtes. Les prolétaires ont arrêté en leur tête d'infliger aux capitalistes des 10 heures de forge et de raffinerie. Là est la grande faute, la cause des antagonismes sociaux et des guerres civiles. Défendre et non imposer le travail, il le faudra. Les Rothschild, les Say, seront amenés à faire la preuve d'avoir été, leur vie durant, de parfaits vauriens. Et s'ils jurent vouloir continuer à vivre en parfaits vauriens, malgré l'entraînement général pour le travail, ils seront mis en carte, et à leurs mairies respectives, ils recevront tous les matins une pièce de 20 francs pour leur menu plaisir. Les discordes sociales s'évanouiront, les rentiers, les capitalistes, tous les premiers, se rallieront au Parti populaire une fois convaincus que, loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les débarrasser du travail de surconsommation et de gaspillage dont ils ont été accablés dès leur naissance. Quant aux bourgeois, incapables de prouver leur titre de vauriens, on les laissera suivre leurs instincts. Il existe suffisamment de métiers dégoûtants pour les caser. Du fort, nettoyer les latrines publiques, galifer, chourinerait les cochons galeux et les chevaux forcineux. Les membres de la commission des grâces, envoyés à Poissy, marqueraient les bœufs et les moutons à abattre. Les sénateurs, attachés aux pompes funèbres, joueraient les croque-morts. Pour d'autres, on trouverait des métiers à portée de leur intelligence. L'orgerille, broglier, boucherait les bouteilles de champagne, mais on les musellerait pour les empêcher de s'enivrer. Ferry, Fraissinet, Tirard détruiraient les punaises et les vermines des ministères et autres auberges publiques. Il faudra cependant mettre les deniers publics hors de la portée des bourgeois, de peur des habitudes acquises. Mais dure et longue vengeance on tira des moralistes qui ont perverti l'humaine nature. Des cagots, des cafards, des hypocrites et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés pour tromper le monde. Car, donnant entendre aux populaires communs qu'ils ne sont occupés sinon à contemplation et dévotion, en jeûne et macération de la sensualité, sinon vraiment pour sustenter et alimenter la petite fragilité de leur humanité, au contraire fonchière. Dieu sait qu'elle est curios simulant cette bacchanalia vivent. Il simule des curieuses et vives comme au bacchanal. Vous le pouvez lire en grosses lettres et en luminure de leurs rouges muselots et ventre à poulaine, sinon quand ils se parfument de soufre. Au jour de grandes réjouissances populaires,
où, au lieu d'avaler de la poussière comme au 15 août et au 14 juillet, du bourgeoisisme, les communistes et collectivistes feront aller des flacons, trotter les jambons et voler les gobelets, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, les prêtres à longues et courtes robes de l'Église économique, catholique, protestante, juive, positiviste et libre penseuse, les propagateurs du malthusianisme et de la morale chrétienne, altruistes, indépendantes ou soumises, vêtus de jaune, tiendront la chandelle à s'en brûler les doigts et vivront en famine auprès des femmes galloises et des tables chargées de viande, de fruits et de fleurs, et mourront de soif auprès des tonneaux débondés. Quatre fois l'an, au changement des saisons, ainsi que les chiens des rémouleurs, on les enfermera dans les grandes roues et pendant 10 heures, on les condamnera à moudre du vent. Les avocats et les légistes subiront la même peine. En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales, toujours et toujours. C'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes, courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. Les généraux, en bottes à l'écuyère, la poitrine chamarrée d'aiguillettes, de crachats, de croix de la Légion d'honneur, iront par les rues et les places, racolant les bonnes gens. Gambetta et Cassagnac, son compère, feront le boniment de la porte. Cassagnac en grand costume de matamor, roulant des yeux, tordant la moustache, crachant de l'étoupe enflammée, menacera tout le monde du pistolet de son père et s'abîmera dans un trou dès qu'on lui montrera le portrait de Lullier. Gambetta discourra sur la politique étrangère, sur la petite Grèce qui s'endoctorise et mettrait l'Europe en feu pour filouter la Turquie. Sur la grande Russie qui le stultifie avec la compote qu'elle promet de faire avec la Prusse et qui souhaite à l'ouest de l'Europe plaie et bosse pour faire sa pelote à l'est et étrangler le nihilisme de l'intérieur. Sur M. de Bismarck qui a été assez bon pour lui permettre de se prononcer sur l'amnistie, puis, dénudant sa large bedaine peinte aux trois couleurs, il battra dessus, le rappelle et énumérera les délicieuses petites bêtes, les ortolans, les truffes, les vers de Margot et d'Ikiem, qu'il a engloutonné pour encourager l'agriculture et tenir en liesse les électeurs de Belleville. Dans la Tarraque, on débutera par la farce électorale. Devant les électeurs, à tête de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois, vêtus en paillasse, danseront la danse des libertés politiques, se torchant la face et la postface avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses, et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France, et les têtes des électeurs de Bray rancœur et solidement « Ihan, Ihan ». Puis commencera la grande pièce, le vol des biens de la nation. La France capitaliste, énorme femelle velue de la face et chauve du crâne, avagie aux chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints, ensommeillée et bâillant, s'allonge sur un canapé de velours à ses pieds, le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque à museau de fouine, à corps d'hyène et main de harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires décharnés en haillons escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassé par des furies les cinglant avec les fouets de la faim, apporte aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le livre du budget entre les dents, se campe à la tête des défenseurs des biens de la nation et monte la garde. Les fardeaux déposés à coups de crosse et de baïonnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques. N'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements. Alors, le tonnerre éclate. La terre s'ébranle et s'entrouve. La fatalité historique surgit. De son pied de fer, elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent, ne peuvent plus fuir. De sa large main, elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour, la terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile?
Comme le Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur. Depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leur chair, tenaille leurs nerfs. Depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leur cerveau. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. Ok, C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.